On va terminer la vidéo numéro 3 sur les équations différentielles d'ordre 2. Alors, les équations différentielles d'ordre 2 ont déjà démarré la vidéo numéro 2. Donc, les mes chefs, la vidéo numéro 2, j'ai bien expliqué comment trouver la solution homogène. Donc, inchallah, on va se baser surtout sur comment trouver une solution particulière. Donc, les mes chefs numéro 1, vidéo numéro 1 et 2, réellement, je suis franc, ben Medji. Les parties parce que les parties je veux me baser surtout sur les la solution particulière. Donc on a une équation différentielle, une solution homogène, les amis, la équation caractéristique, puis n'est pas la solution homogène. Une solution particulière, je m'en viens, il y a une solution la fonction f de x. Parce que selon la forme de f de x, nous pouvons trouver une solution particulière. Ici, on a enfin une solution de la fonction f de x. Je vais vous donner un résumé à la fonction. Alors, la forme de f de x, on a 4 cas. On a le premier cas qui est f de x, un polynôme de degré m. On a le deuxième cas qui est f de x est égal à k exponentielle r de x. On a le deuxième cas, on a deux ce cas. On a 2,1 et 2,2. 2,1 qui est r, il y a une racine de l'équation caractéristique, ou qui est r n'est pas une racine de l'équation caractéristique. On a pour chaque un exemple, nous allons faire un petit kiff. C'est-à-dire qu'à la fin, les équations différentielles de groupe vraiment sont faciles. Il suffit de connaître les outils, une solution particulière pour le cas, une solution particulière pour le cas quand f de x est égal à p de x fois exponentielle r de x. Et le dernier cas, ben, comme je suis à difficile, ça sert à quoi? Qui est f de x égale à alpha cosinus r de x plus bêta sinus r de x. Alors, on va commencer par la barakite de la première cas, des quoi f de x est un polynôme de degré n. Alors, nous commençons par le premier cas, les quoi f de x est un polynôme de degré n. Donc, l'exemple est le suivant, y de prime, y prime, y est égal à 2x au carré. Donc, il y a l'équation pour la e. Donc, ici, on a l'ordre de f de x à un polynôme de degré 2. Alors, je vais vous donner une solution générale, je vais vous donner la solution homogène, une solution particulière. À la fin, on va vous donner la somme. C'est la somme SH plus SP. Alors, je vais vous donner une solution particulière, je vais vous donner une équation caractéristique. J'ai expliqué ça par vidéo numéro 2. Les méchefs, je vais vous donner une solution. Alors, une équation caractéristique de l'équation, c'est simple, il y a r au carré, moins r, moins 1, qui est égal à 0. On a une équation caractéristique, l'ordre de l'ordre de dérivée de l'équation. Donc, il y a l'ordre de dérivée est 2, donc on a 0 r au carré. On a l'ordre de dérivée est 1, donc c'est r moins 1 égale 0. Puis, on a aussi le delta, on a que le delta est positif. Ou les racines de R, donc on a R1 qui est égal à moins 1, ou on a R2 fois 2. Donc, où on a la vidéo numéro 1, on a bien qui compte delta positif, la solution particulière est sous la forme. Donc, YH égale lambda exponentielle moins des fois la première racine. Et plus mu exponentielle 2x des rois de l'égal à la deuxième racine avec lambda mu dans R. Donc, c'est la solution homogène. On a les machins, chez Raoudichot, le chiffre un petit peu, j'ai bien expliqué rapidement les détails. Donc, on retrouve la solution particulière. Alors, je vais la solution particulière. On a appelé la solution particulière, il est lié à la fonction f de x. Alors, une solution particulière, je vais vous donner un petit résumé. La solution particulière. Alors, la solution particulière,
et sous la forme d'un polynôme de degré 2. Comme l'équation ou la f de x, il y a une équation, un polynôme de degré 2, donc la solution particulière est un polynôme de degré 2. Et si des, supposons que nous avons comme 2x par y, ou là, un polynôme de degré 4. هنا يا الصوليسيون بارتيكولير تبع توجو لا فونكسيون تاعكم تسمى ولا كانت 3 راح تكون 3 ولا كانت 4 راح تكون 4 تسمى سولون لو دوغري تاع لا فونكسيون تاعكم نحوسوا على لا صوليسيون بارتيكولير هنا بيان سو تحطوها لو دون لو كان جينيرال الوغ هنايا y ب ايكال ا x او كاري بلس ب ب اكس بلس سي راح نحوسوا على y بريم بي ونحوسوا على y دو بريم بي راح تقولوا لي علاش نحوسوا على y بي P ou y de P. Tout simplement, nous allons voir ce que nous avons fait dans l'équation et nous allons faire la fin de la tabaka pour nous faire A, B ou C ou nous faire la solution particulière. Donc, nous avons y de P qui est de A, nous avons la dérivée de y de P qui est de A. Donc, nous avons 2AX, nous avons 2A, nous avons 1, 2, 3, les trois équations, nous allons faire l'équation et nous allons faire la tabaka. Donc, هنا برك كاين بتيت رمارك هنايا نسيت باش نكتب موان 2y دونك ليكواسيون توجور هنايا عاودو كتبو دو موان 2 جي اوبليي اون ايرور دو فراب هنايا موان 2 ماشي موان y اوكي باسكو لي ريزولتا كامل راهم بازي بيان سور على هاد ليكواسيون دونك يكون باك ريكتيفي هنايا عندكم موان 2y الوغ هادي هي وشنو هي هي y دو بريم دو بي هادي هي y بريم دو بي وهادي هي y دو بي Donc, on a une équation qui est égale à 2x au carré. Donc, nous avons les en fonction de x au carré de côté, les en fonction de x au côté, ou les mêmes si x égalité, on dira le montant bas. Donc, nous avons les valeurs de y', y2', yp, on dira le montant bas. Donc, nous avons remarqué les en fonction de x au carré. Donc, nous avons l'équation sous la forme. Moins de a est égal à 2 parce que كاين هنا في الجهه الاخرى غير x au carré par contre هادو ما راح يكونوا égal à 0 وهادو ما كامل égal à 0 ثم راح يكونوا عندنا 3 équations باش نقدروا نلقاو ال a و ال b alors عندنا nous avons 3 équations moins de a égale 2 moins de a moins de b égale 0 moins de a moins de c moins b égale 0 كي نحلوا لي 3 équations هنايا a est égal à moins 1 هادي نعوضوا هاد لا فالور في الدوزيام راح نلقاو بي ايتيغال ا ونعوضوا الا والبي لهنا راح نلقاو سي ايتيغال 3 سور 2 الوغ لا سوليوشن بارتيكولير واش هي اي بي ايتيغال ا موان اكس او كاري هي موان ا تما ا ايتيغال موان زان البي هي ا تما بلس اكس وسي هي 3 دومي بلس 3 دومي Pour la solution homogène, on a lambda exponentielle moins x plus mu exponentielle 2x. Avec lambda et mu, bien sûr, lambda et mu dans R. On a qui a donc une équation différentielle, on a une solution générale, il y a l'ensemble de R plus R. Particulière plus homogène. Donc, il y a la solution particulière lorsqu'on a une fonction sous la forme d'un polynôme de degré 2. Donc, il y a la première partie des équations différentielles. Le premier cas quand f de x est un polynôme. Donc, on va chercher la deuxième partie qui connaît f de x et la forme exponentielle f de x. Alors, nous commençons maintenant le deuxième cas. Alors, le deuxième cas est lorsque f de x est là, sous la forme k exponentielle r de x. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Alors, avec r n'est pas une racine de a r au carré plus b r plus c. C'est-à-dire, on a le deuxième cas, c'est de 1. On a 2, vous savez, je fais tout, on a le cas, on a 2, 1 et 2, 2. On a le cas, on a 2, 1. On va regarder comme exemple de 1. Même bad, on va traiter un exemple de 2. Qui fait un chibo lorsque il connaît a 3 une racine qui maintenant r qui connaît racine ou qui met couche racine. On va regarder donc qui connaît r mais qui racine telle l'équation caractéristique. Vous savez? Donc qui fait un chibo on peut voir l'équation comme toujours. On va regarder la solution
particulière, la solution homogène, il y a YH. OK? Même بعد نحوسوا على solution particulière, il y a YP. Bien sûr, il y a qui connaît f de x sous cette forme, la solution nحوسوا عليها راح تكون d exponentielle r de x. أيا كيفاش نحوسوا la solution homogène كيما فهمنا وقلنا وفهمنا بلي la solution homogène لازم نحوسوا على l'équation caractéristique. Alors شنو هي l'équation caractéristique؟ Alors on a la solution homogène, on chandira, il faut sur l'équation caractéristique. On a l'équation caractéristique chandira, il y a toujours l'exemple pour f de x un polynôme. Donc c'est la même chose. La fonction, enfin l'équation différentielle terme. Il y a r au carré moins r moins 2 égale 0. Delta qu'énerve positif, r1 égale moins 1, ou r2 qu'énerve 2. Fait de moi, on a remarqué que le tawa, mais chi n'est pas, n'est pas une racine de r au carré moins r moins 2, parce que r1 égale moins 1, r2, r2 est égal à 2. Ok, donc r le cas n'est pas une racine. Dans ce cas, la solution particulière va être sur la forme d exponentielle r de x. Qui m'a dit comme des données ou des outils ou des tariqas, tu as l'équation différentielle. Alors, comme on a dit qui connaît R n'est pas une racine, nous allons sur la dérivée première ou la dérivée seconde, même si on a dit E, on a dit le mot tabaka, on a dit la valeur de D ou à la fin, on a la solution particulière. Donc, on a YP est égal à DX exponentielle 3X. Nous allons sur la YP est égal à 3D exponentielle 3X. Ou Y de prime theta, je l'en dis, il y a 9D exponentielle 3X. Donc, on a trois équations, 1, 2 et 3. Donc, 1, 2 et 3, on va faire le E terme. On a le mot en bas. Donc, je vais vous dire, alors, Y de prime, il y a 9D exponentielle 3X moins Y prime theta, il y a 3D exponentielle 3X moins 2 fois YP, moins 2 fois D exponentielle 3X qui est égal à exponentielle 3X. Donc, on a là, madame, on a chauffé exponentielle 3X, ça va être à l'heure en facteur. Donc, on a chauffé exponentielle 3X en facteur. Nous avons là, on a 9. D moins 3D moins 2D est égal à exponentielle 3X. Donc, Hadi, ma Hadi, donc je prends là, je prends 9D moins 3D moins 2D, donc 4D est égal à combien? Est égal à 1. Donc, implique quoi? Donc, Hadi, donc, on va comme la solution de fond est égal à 1, donc implique que D est égal à 1. Donc, où je vais la solution particulière terme. Donc, la solution particulière terme, on va doter de 1 quart. Donc, YP égale à 1 quart exponentielle 3x. Donc, il y a la solution particulière. Alors, la solution générale, je vais dire, et à la solution particulière, plus la solution homogène, le ténara, avec lambda mu et lambda. Donc, il y a la solution générale. X est égal à un polynôme P de x fois exponentielle r de x. Alors, c'est le cas où une équation différentielle, le f de x taha de la forme un polynôme fois l'exponentielle r de x, donc j'ai un comme 3 cas. Alors, premièrement, p de x c'est quoi? P de x c'est un polynôme de degré n. Alors, qui connaît comme head la forme, donc cherchons une solution de la forme q de x exponentielle r de x. Donc, une fois qu'on a la solution particulière, alors la solution particulière terminale, elle est comme head la forme q de x fois exponentielle r de x. Mais qu'il y a un haja, qu'il y a un 3 cas. Au cas, si R
n'est pas une racine de l'équation caractéristique qui m'a dit le cas numéro 2, la quinte R n'est pas une racine de AR au carré plus BR plus C, alors Q de X est un polynôme de degré L. C'est le même degré qui m'a le polynôme terna. C'est ou un polynôme terna, P de X, un polynôme de degré 1, rahikon, Q de X est de degré 1. Là, un polynôme terna, P de X de degré 2, Q de X est de degré 2. Alors, je vais en détail un exemple, puis je vais faire un. Alors, le deuxième cas, non. Si R est une racine simple, donc, on a fait qui compte R n'est pas une racine, alors, on a que de X est un polynôme de degré 1. Donc, maintenant, si R est une racine simple de AR au carré plus BR plus C, alors Q de X est un polynôme de degré M plus 1, c'est même Z de 1. C'est même là qu'on a P de X de degré 1, le Q de X est égal à 2. Maintenant, si R est une racine double, ou là qu'on a R est une racine double de l'équation caractéristique, alors le polynôme terme Q de X est un polynôme de degré M plus Q. Donc, c'est au moins. هذا هو le résumé qui qu'on a la fonction f de x terna et de la forme b de x fois exponentielle r de x. Alors, soit l'exemple suivant, une équation différentielle d'ordre 2, y de prime moins y prime moins 2y. Vous l'avez fait tout, c'est l'équation qui est la même. Cette learning de fiha c'est bien f de x. Il y a la solution homogène qui m'a donné le cas numéro 1, le cas numéro 2. C'est de la même manière. C'est maintenant juste à trouver la solution homogène. Parce que je me base maintenant sur tout qui fait je n'ai pas la solution particulière. Le hadjel est bdelta, c'est bien bdelta f de x. Qui m'a l'exemple est fait, quand f de x est égal à exponentielle, je pense, exponentielle x. C'est exponentielle. Alors je pense exponentielle 3x. C'est ça? Hadjel, l'exemple numéro 2. Alors, l'exemple de cas où le delta est égal à f de x, x exponentielle x. Avec ça, je permets. Donc, la solution homogène est la même. Donc, c'est la même solution. Alors, la suite, la solution homogène, on a l'équation caractéristique, on a les racines, on a delta positif, on a les racines moins 1 et 2. Alors, où je vais remarquer, هنايا الR تاعنا تاع f de x باسكو واش قلت لكم بلي f de x راح تكون على فورم p de x fois exponentielle r de x. هنا الR تاعنا وشنو هو في هذا لوكا الR تاعنا يتيغال ا 1. الوغ هنايا ال1 هذايا ما راهوش اون راسين اوكي باسكو هنايا لقينا لي راسين تاع ليكواسيون اوموجين هو موانز 1 اي 2 دونك 1 ني با اون راسين. دونك واش راح نقولوا 1 n'est pas une racine de r au carré moins r moins 2. Donc, je prends le résumé qui compte r n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Alors, le Q de x terna, c'est l'équation, la solution particulière, est un polynôme de degré n. Alors, comme a n'est pas une racine de r au carré moins r moins 2, alors cherchons la solution sous la forme yp qui est égal à x plus b exponentielle x. Alors, on a appelé qui compte r n'est pas une racine. Alors, le polynôme que de x terna, je vais faire de même degré qui m'a p de x terna. C'est maintenant p de x, alors je vais faire x, c'est un polynôme d'ordre 1. Donc, la solution terna, je vais faire sous la forme d'un polynôme Q de X d'ordre 1. Bessah, quand le qina 1, la racine R terna est une racine simple de l'équation caractéristique, dans ce cas, Q de X d'ordre 2.
وكان وكون لقينا r اللي هو 1 est une racine double راح نقولوا باللي لو كو دو اكس تاعنا راح يكون سو فورم ان ان دوغري ان بلس 2. دونك في هذا لو كا تاعنا لو بولينوم تاعنا x سي ان بولينوم دو دوغري 1 alors le que de x راح يكون دو دوغري 1 باسكو علاش باسكو لو 1 le r هدايا اللي هنايا هنا باسكو r راه 1 ال 1 هدايا ني با اون راسين تاع ليكواسيون كاركتيريستيك تاعنا لي راسين دو ليكواسيون كاركتيريستيك سون موان 1 اي 2 فوالا دونك هذه هي لا سوليسيون y p تاعنا الوغ كيما درنا في ليكزامبل نيميرو 2 واش راح نديرو راح نحوسو على لا ديريفي بروميير راح نحوسو على y بريم بي ولا ديريفي سكوند y دو بريم. Alors, qui nous sur la y' ou y2'p, راح نعوضوهم في هذه l'équation تاعنا, l'équation هذه اللي نقولوها حنايا E. نعوضو فيها ونديرو المطابقة باش نلقاو ال A و ال B تاعنا. Donc عندنا 1, 2 et 3, les trois équations, نعوضوهم في هذه l'équation E ومن بعد نديرو المطابقة بينهم. Donc هذه A c y de prime p تاعنا لقيناها هذه هي سي y prime p وهذه bien sûr هي y p bien sûr deux fois y p دونك عوضنا لي سوليسيون تاعنا لي ديريفي تاعهم ودرناهم ايغال ا x اكسبونونسييل ا x دونك واش نديرو دوكاتيك راح نعملو المطابقه باش نلقاو ال a وال b و c تما راح نحطو كل حاجه مع الفاريابل تاعها ونديرو المطابقه. الوغ بعد ما درت النشر تاع هذوما لي بولينوم دوك واش نشوفو نشوفو بلي ا اكس اكسبونونسييل اكس راح تروح مع هادي نشوفو تانيت بي اكسبونونسييل اكس مع بي اكسبونونسييل اكس دوك واش راح تبقى لنا تبقى لنا غير دو فوا ا اكسبونونسييل اكس مع دو موان دو فوا ا اكس اكسبونونسييل اكس وهذوما دوك واش عندنا راح تبقى دو فوا ا exponentiel x moins 2 fois a x exponentiel x donc هذه وهذه انا كتبناها moins a exponentiel x moins 2 fois b exponentiel x est égal à exponentiel pardon x pardon là exponentiel x x exponentiel x donc واش نديرو نحطو كل حاجه مع بعضها دونك هنايا ماذا بيا انا نخرج اللي عندهم الx والاكسبونونسيال اكس دونك بقات لنا غير هذه مع هذه راح نطابق هذه مع هذه ولو غاست ايغال ا زيرو دونك راح نطابق لي موان 2 ا اكس اكسبونونسيال اكس مع اكس اكسبونونسيال اكس ولو غاست راح يولي لنا ايغال ا زيرو دونك هنايا عندنا الاكس مع اكسبونونسيال اكس تروح دونك موان 2 فوا ا ايغال ا 1 دونك ا ايت ايغال ا موان زان دومي موان زان دومي هادي نعوضوها هنا بيان سور اكسبونونسيال اكس مع اكسبونونسيال راح تولي لنا ايكال ا زيرو دونك راح تولي لنا 2 ا ات ايكال ا 2 بي دونك 2 مع 2 تروح دونك بي تاني راح تساوي موان زان دومي دونك لا سوليسيون بارتيكولير تاعنا واش هي ايكغيك بي ات ايكال ا موان زان دومي اكس موان زان دومي اكسبونونسيال اكس هادي لا سوليسيون بارتيكولير ولا سوليسيون اوموجين كيما قلنا لقيناها مع الاول ايغالا لاندا اكسبونونسيال موان اكس بلس مو اكسبونونسيال 2 اكس دونك هذه هي لي دو سوليسيون لا سوليسيون جينيرال واش ديروا نتوما تجمعوهم ديروا هذه زائد هذه سي لا سوليسيون جينيرال تاع هاد ليكواسيون دونك سا سي لو ترويزيام كا كي يكون عندنا لا فونكسيون ايغالا بي دو اكس فوا اكسبونونسيال ا دو اكس اون باس ميتنون au dernier cas, le cas qui correspond à le cosinus ou sinus. Alors, le dernier cas f de x est égal à alpha cosinus r de x plus bêta sinus r de x. Donc, qui connaît comme une équation différentielle f de x taha sous cette forme, yani alpha cosinus r de x plus bêta sinus r de x. Alors, dans ce cas, cherchons la solution sous cette forme. Yp qui est égal à g cosinus r de x plus h sinus r de x. Ou là, la solution est égale à x, g cosinus r de x plus h sinus r de x. Rire oui là, qu'en est-il cosinus r de x est une solution de l'équation caractéristique. C'est moi. Lequel
Ok, la solution parmi les valeurs, les racines de l'équation caractéristique cosinus R2x, dans ce cas, tu as la solution. Ou même à 15, la racine est égale à cosinus R2x, donc nous avons la solution. Alors, je passe directement à l'exemple, je te fais bien, qui fait chez nous une équation différentielle qui connaît la f de x, est une fonction trigonométrique. Alors, soit l'exemple suivant. Y2 moins Y moins 2Y. Vous voulez la contre remarquer ou bien la ligne de même équation. La seule différence, c'est que la ligne de la racine f de x. Qui m'a fait le cas, f de x est égal à sinus 2x. Je vais faire comme qui connaît la fonction f de x est égale à une fonction trigonométrique. La solution particulière. C'est normal. Par contre, la solution en mon jeu, c'est la même solution qui m'a donné le premier, deuxième, troisième exemple. Donc, c'est lambda exponentielle moins x plus mu exponentielle 2x avec lambda et mu, ce sont des réels. Ok? Je passe maintenant qui fait la solution particulière. Par exemple, cosinus. Le R, parce que je crois qu'on a f de x est égal à alpha cosinus r de x plus bêta sinus r de x. Dans ce cas, bêta est 1. Le R est égal à 2. Okay? Le R est égal à 2. Alors, est-ce que cosinus r de x, est-ce que cosinus de x est une solution? Est-ce que cosinus r de x est une solution? Alors dans ce cas, y de pi est égal à g cosinus 2x plus h sinus 2x. Donc yp est égal à g cosinus 2x plus h sinus 2x, qui m'a fait comme le résumé. Vous allez sur la yp taha, vous sur la y de pi taha. On a trois équations, on a un grand fédé, on déroule mon tafaka, on charge G ou H. Hada maken. Smekench S Helmen Hada. Alors, Y' taha est égal à moins 2G sinus 2X plus 2H cosinus 2X. Ou Y' taha, je m'en viens, il y a 4G cosinus 2X moins 4H sinus 2X. Donc, on a 1, 2 et 3. On a un autre mot. On a un autre mot. Alors, on a 4G cosinus 2X moins 4H sinus 2X. Y de prime de P. Ensuite, moins 2 fois y prime, pardon, moins y prime. Alors, y prime, donc il y a moins 2 sinus, donc moins tous les plus, donc plus 2 fois sinus 2x, ou le moins, mal le plus, moins, tout l'inna moins 2h pour sinus 2x. Moins 2 fois y, donc il y a moins 2 fois y de p, est égal à sinus 2x. Donc, je vais dire, en fonction de sinus, les sinus de x m'abadahom, ou cosinus de x m'abadahom, donc je vais dire, 4g moins 2 fois h moins 2g cosinus 2x moins plus moins 4h plus 2g moins 2h sinus, sinus 2x. Ok, donc je vais effacer tout ça, je vais réécrire quand même l'équation à capte ferme. Donc on met en facteur les angles cosinus 2x et en facteur sinus 2x. Donc on a 4g moins 2h moins 2g. Donc 4g moins 2g, on a 2g moins 2h cosinus 2x. Plus naya moins 4h moins 2g moins 6h plus 2 fois g sinus 2x égale sinus 2x. Naya qui dit le mot à barra,
دونك هادي راح تكون هي إيجالا تسمى هادي قاعتي كي تيجالا أن وهادي قاعتي راح تولي تيجالا زيرو هادي قاعتي لي إيجالا زيرو باش تكون المطابقة هادي مع هادي دونك واش راح نلقاو دونك عندنا دو جي دو جي موان دونك عندنا كار جي موان دو جي هي دو جي موان دو اش إيجال زيرو وعندنا موان سيس اش بلس دو جي إيجالا أن Donc, عندنا g est égal à h, نعود هنايا. Donc, تولينا تولينا moins 6h plus 2h. Donc, تولينا moins 4h est égal à 1. Donc, h اللي هنايا راح تولينا moins 1 sur 4. Comme h ou g sont égaux, alors g تاني راح تولينا moins 1 quart. Donc, la solution particulière تاعنا واش هي؟ Donc, la solution particulière تاعنا yp est égal à g هي On a moins 1 sur 4 cosinus 2x plus voilà, moins 1 sur 4 plus moins sinus 2x pour la solution homogène égale à lambda exponentielle moins x plus mu exponentielle 2x avec lambda et mu dans R. Bref, tout le monde à la fin, solution générale, c'est du mouron yp plus yh. Donc, hagda on a terminé la vidéo, ou bien la troisième partie et la dernière partie sur les équations différentielles. Donc, un petit conseil. Les habibs aiment bien les équations différentielles et aoudichouf les trois vidéos. Mais la première est la troisième vidéo. Parce que j'ai expliqué en détail, au matelas, j'ai l'explication partout. Il y a quelques vidéos qui sont partout avec... un résumé et des exemples en même temps. Alors, Inch'Allah, l'explication claire. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous avez des remarques, la même chose. Je vous souhaite très très bon courage. Inch'Allah, les prochaines vidéos, il y aura bien sûr des examens avec solution. Alors, salam alaikum.